Bonjour à tous et à toutes, ici Mr. Chitalisman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Akinator. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça, sur ce jeu. Bon, Akinator, qu'est-ce que c'est? C'est une application où vous pensez à une personne ou à un objet et il va poser des questions pour le deviner. Et très souvent, il le trouve. Sauf que bon, vu que c'est un jeu gratuit et sur mobile, à chaque fois que c'est un perso un petit peu compliqué, il demande de regarder une pub. Du coup, il y aura souvent des petites coupures pour la pub. Alors, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, surtout, pour des épisodes spéciaux où c'était des personnages d'Inazuma Eleven, de Catch, de One Piece, ou même des personnages random. Il y en avait même de Mario, par exemple. Donc là, ça va être rigolo parce qu'on va faire 5 persos d'Inazuma Eleven et 5 persos de Catch. Donc on aura 5 catcheurs et 5 joueurs d'Inazuma Eleven. On va commencer direct avec Inazuma Eleven et le premier joueur, ça va être Ichiyoshi de Inazuma Eleven Orion. Donc on va faire un petit test, on va voir s'il s'y connaît dans Inazuma Eleven Orion. Ton personnage est-il de sexe féminin? Pas du tout. Il n'a pas vécu en France? Non, il n'existe pas réellement. Oui, il est d'une animation japonaise, il n'a pas les cheveux noirs. Oui, il a des cheveux. Est-ce que c'est le héros principal? Il est très important, mais non, ce n'est pas le personnage principal et il n'est pas ninja. Oui, il va à l'école. Est-ce qu'il a des super pouvoirs? Les super techniques, est-ce qu'on peut appeler ça des super pouvoirs? Vous savez quoi? Rien que pour le kiff, je vais envoyer sa technique de dribble. Vous savez quoi? Je vais mettre Planet Break si elle le trouve. Alors oui, on va dire probablement. Un rapport avec le milieu de sport, oui. C'est un footballeur, oui. Est-ce qu'il a une petite sœur? Alors non. Il n'est pas attaquant, il n'est pas gardien de but, il n'est pas gros, il n'est pas tout petit. Et il n'a pas les cheveux attachés, il n'est pas défenseur, il n'a pas les cheveux rouges ni roux, il n'est pas brun. Et pour l'instant, c'est que des noms. Est-ce qu'il a un frère? Eh bien oui. Ichiyoshi Mitsuru. Ton personnage a-t-il un rapport avec la neige? Non. Est-ce qu'il est gentil? Eh, probablement, parce qu'au début il ne l'est pas. A-t-il les cheveux couramment bleus? J'ai peur qu'il confonde avec Shaun. Est-ce qu'il a perdu son frère? Oui. Est-ce qu'il va confondre avec Shaun? C'est l'heure de la pub. Et il pense à Ichiyoshi Hikaru. Bravo Akinator, t'as trouvé du premier coup. Akinator commence très bien. On va passer sur un catcheur maintenant. Sexe féminin, non. On va prendre un qui a fait son retour au Royal Rumble. Alors évidemment, là vous pensez tous à Edge, mais si je lui fais deviner Edge, il va le trouver en 2 secondes. C'est pour ça qu'on va essayer de lui faire deviner MVP. Oui, il a les cheveux noirs. Il n'est pas de l'animation japonaise dans le milieu du sport. Oui. Footballeur, non. Il joue pas avec un ballon. Un sport de combat, oui. Est-il un catcheur de WWE? Oui. Cheveux longs, non. Est-il gros? Non. La tête rasée? Je crois pas, je crois que non. Il catche pas en slip, il a une combi. Il est black. Cache-t-il son visage? Non. Est-ce qu'il est vraiment noir? Bah en fait, il est pas black comme Titus O'Neil, mais il est quand même pas mal, on va dire probablement. Oui, il a des tresses, il va le trouver direct. Il n'est pas souvent torse nu. Alors, est-ce qu'il a une fille adoptive? Ça, j'en sais pas du tout. Va-t-il trouver MVP? La pub. Il pense à Montel Vantavius Porter. MVP, c'est bien ça. Pour ce troisième perso, on va prendre du Inazuma Eleven Orion et on va prendre Gojin, qui est aussi dans Ares. Il n'existe pas réellement, il fait partie du milieu du sport, il n'est pas basketteur, il est footballeur. Animation japonaise, oui. Il n'est pas capitaine. Est-il attaquant? Oui. A-t-il un frère ou une sœur? On va dire que non. Cheveux gris? Non. Il n'a jamais été du côté du mal. Oui, il est dans Inazuma Eleven. Il n'a pas les cheveux roses. Ce n'est pas le personnage principal. Il ne vit pas aux États-Unis. Sexe féminin? Je ne pense pas. Vit-il avec sa mère? Ben non, je crois pas. Cheveux noirs? Non. Cheveux rouges ou roux? Non, il les a violés. Si je dis pas de conneries. Vit-il dans le futur? Ouais, non. La neige, pas du tout. Cheveux attachés, non. Cheveux blancs, non plus.
capitaine de son équipe, non. Est-il de couleur de peau métisse? Ouais. Cheveux longs, non. Peau blanche, non. S'il le trouve, bravo, mais ça m'étonnerait. Il pense à... ben non. C'est pas Michael. Tu t'es trompé, Akinator. Oui, on continue. Un rapport avec les dragons, non. Est-il défenseur, non. Est-il italien, non. Cheveux blancs, non plus. Petit frère, non plus. Vit-il encore chez ses parents, non. Rapport avec la mer, on va dire que... Allez, probablement, parce que... Il vient de Lille. Cheveux bleus, non. Est-ce qu'il a un chien, vraiment. Il fait pas de sport aquatique, il n'est pas adulte. Bon, je pense que je vais mettre une coupure et continuer les questions. Ah, cheveux violets. Il a peut-être trouvé. Eh ben non. Tristesse, il n'a pas trouvé Gujin. Du coup, bah tant pis. Il n'y est pas. Donc maintenant, quatrième perso, on va passer de nouveau sur du catch. Et cette fois-ci, on va lui faire deviner EC3. Alors, vit-il aux États-Unis? Oui. Fait-il partie du sport? Oui. Pratique-t-il un sport de combat? Ouais. Les cheveux longs? Non. Catcheur de la WWE? Oui, même s'il n'est pas du tout utilisé. Catche-t-il mon slip? Oui. Est-ce qu'il a des cheveux? Oui. Beaucoup de tatouages? Je ne crois pas. Plus de 45 ans? Non, il est assez jeune. Il n'a jamais été champion de la WWE. Il a été champion de la TNA à plusieurs reprises. Petit noir de peau, probablement parce qu'il est très bronzé. Peau blanche, non. Méchant, ici, celui. Est-ce qu'il est considéré comme un méchant ou pas? Je pense pas, donc je vais marquer probablement pas. Est-ce qu'il a la barbe? Non. Les cheveux blonds, non plus. Est-ce qu'il a apprécié? Je sais pas. Je sais pas vraiment, vu qu'on ne le voit jamais. Il n'a pas la tête rasée. Est-ce qu'il est noir? Je vais marquer probablement. Il est bronzé. Est-il réputé comme méchant? Non. A-t-il détresse? Non. Est-il toujours habillé en noir? Pas forcément. Plus de 100 kilos? Je sais pas, je vais aller voir ça sur Google. Ok, il fait un petit peu plus de 100 kilos. Il n'est pas dans un groupe à 3. Il a encore son père, je sais pas. Est-ce qu'il est d'origine d'Amérique latine? Je sais pas non plus. Non, il n'est pas appelé par son nom et son prénom. Il est appelé Isisui. Est-ce qu'il trouve? On va voir. Il pense à un homme des cavernes. No way, José. Eh non, ce n'est pas No way, José. On continue. Il est souvent associé à la pomme. Pas du tout, ce n'est pas Carlito. Il n'est pas dégoûtant. Il n'est pas mince. Il n'est pas gros. Porte-t-il un pantalon? Non, il est en slip. A-t-il des oreilles noires? A-t-il typé? Oui. Plutôt jeune, ça oui. Est-ce qu'il va le trouver, enfin? Darren Young? Pas du tout. Oui, on continue. Fait-il des grands sauts? Pas forcément. Est-ce qu'il est toujours dans son groupe? Il a jamais de groupe. Le couleur de peau métisse. Ça fait 100 fois que tu nous demandes, hein. Porte-t-il des slips? Oui, bien joué. David Otunga, il va tous nous les faire. Hein. Il va nous faire tout le Nexus d'un coup, lui. Oui, on continue. Est-ce qu'il y a un chiffre dedans? Oui, bravo, ça y est. Est-ce qu'il a fait du catch pour la TNA? Oui, c'est là qu'il est devenu le plus célèbre. Et oui, il a les cheveux noirs. Non, il a pas les cheveux. C'est l'américain, oui. Bon, vas-y, tu me mets le EC3. Voilà, Ethan Carter 3, EC3. Il a eu du mal, il a galéré, mais il a fini par le trouver. J'ai eu une petite idée. Vu que tout à l'heure, il nous faisait souvent des références à Sean Frost, on va lui faire deviner Aiden Frost. Alors, est-ce qu'il est footballeur? Ouais. Est-ce qu'il a fait la Coupe du Monde? Je crois pas. Il n'a pas vécu en France. Est-ce qu'il est réel? Non. Les cheveux noirs non plus. Est-il attaquant? Oui. Est-il dans Zoom 11? Oui. A-t-il une petite sœur? Non. Un rapport avec la neige? Oui. S'il me dit Shaun, eh ben il se sera trompé. Est-il décédé? Eh bien là, on se pose la question. Est-ce qu'on prend plutôt le Hayden qui est censé être mort? Ou le Hayden de Orion? Eh bien on va lui dire que non, il n'est pas décédé. Parce que nous, on parle de Hayden qui est dans Orion. A-t-il un foulard blanc autour du cou? Ça, je sais plus. Eh oui, il a bien son écharpe dans Orion. Mais s'il dit Shaun, ça risque d'être marrant. Eh ben non, ce n'est pas Shaun Frost. Là, il va être choqué. Est-il mort jeune? Ben non, il est toujours vivant. Il n'a pas les cheveux blancs. Un rapport avec le froid? Oui. Les cheveux rouges ou roux? Oui. A-t-il encore son père? Ça, par contre, non. Est-ce qu'il a un frère? Ben oui, c'est Shaun.
Donc non, il n'est pas fait cynique. Est-ce qu'il porte un gant? Ben non. Eh ben la pub. Et il pense à Aiden Frost. Il l'a trouvé. Eh bien voilà. C'était pas mal. Franchement, il a été bon aujourd'hui. À part qu'il n'a pas trouvé Gugin, il a réussi à trouver les 4 autres persos. On va en faire un dernier. Un petit bonus. Cette fois-ci, donc vu que c'est un bonus, on fera des coupures. On va prendre le catcheur légendaire Bruno Sammartino. Fait-il des combats? Oui. Catcheur de la WWE? Oui. Cheveux longs? Non. Masqué? Non. A-t-il des cheveux? Oui. La casquette? Non. Des tatouages? Je ne crois pas. Pantalon? Non. Il catchait en slip. Cheveux noirs? Je crois. On va dire probablement. Il tient un démon? Non. Donc là, il va me dire surtout tous les catcheurs un petit peu connus du moment et les plus célèbres, mais il va pas parler forcément des anciens. On se retrouve après. Alors attendez, là, il vient de me demander s'il était champion de la WWE, j'ai mis oui. Ils m'ont demandé s'il avait plus de 50 ans ou plus de 45 ans, j'ai mis oui. Prénom à consonance italienne, ça je sais pas vraiment. Porte-t-il un chapeau? Non. Cheveux noirs, je crois qu'il l'a déjà trouvé en fait. Est-il géant? Non. Ouais, bah en fait, non, il a pas trouvé. Il me demande s'il est décédé. Il a peut-être trouvé là. Ah ben non. Il me fait une proposition, ah ben voilà, il a trouvé du premier coup. Ben félicitations Akinator. Du coup voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je sais qu'au début de la vidéo j'avais dit que j'en ferais 10, mais en fait je me suis rendu compte que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Le mieux c'est d'en faire 5, j'en ai fait un 6ème bonus. Du coup voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter et à me proposer des persos à faire pour, potentiellement, une nouvelle vidéo là-dessus. Voilà, voilà. Du coup, moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !